كونسير اي كونسرتاسيون كتاب صادر عن ديوان المطبوعة الجامعية لكاتبه بوكريسا مروان. المؤلف يشغل منصب طبيب مختص في الجراحة العامة بالمركز الاستشفائي بوهران. جاء كتابه هذا من أجل التحسيس بالاستراتيجيات التكفل بمرضى السرطان. L'idée, c'était au fait, c'est un livre que j'ai écrit concernant le cancer, la maladie du cancer, qui est actuellement dans l'incidence, elle est en augmentation, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas est en augmentation en Algérie, et donc l'Algérie qui s'inscrit à l'instar des pays, des autres pays dans le monde, le cancer par rapport aux nouvelles habitudes de vie, d'hygiène alimentaire, etc., est en train d'augmenter de façon. Il y a une augmentation carrément exponentielle. Et donc, l'ouvrage, l'idée, c'était face à des malades atteints de cancer. J'ai les points essentiels, ce sont comment mettre en place un plan cancer dans une structure hospitalière. Quels sont les dispositifs de rassemblement des différents médecins spécialistes en un temps T pour la prise en charge d'un dossier du malade. Alors, j'ai fait une version longue destinée aux médecins, aux praticiens, aux étudiants en médecine, aux étudiants en sciences paramédicales. Et ensuite, j'ai vu que l'intérêt, je pense qu'il est plus porté par l'usager, parce qu'on est en contact souvent avec des associations de malades. Et ces usagers-là sont aussi intéressés par la question de cancer. Et donc, j'ai refait une version qui est plus courte, mais je pense qu'il est accessible au grand public. Moi, je dirige une équipe de recherche dans une unité de recherche en anthropologie de la santé. Nous produisons énormément d'ouvrages. Et là, je suis en train d'écrire un livre sur la santé publique en général, comment améliorer la pratique sanitaire en Algérie, comment, par l'appréciation de l'usager, c'est-à-dire le citoyen, comment il ressent, parce que là, on voit bien que ça ne marche pas. Les usagers sont mécontents de notre prestation. On le sait, pourtant on est de bonne volonté. On essaye, il y a des médecins qui essayent d'améliorer cette pratique-là, mais malheureusement les résultats jusqu'à maintenant, ils sont, on va dire, en dessous de la moyenne.